Algérie, juste après le Covid. Et j'arrive en France, j'ai vécu à Limoges. Vous connaissez Limoges ? Non ? Alors Limoges, c'est pas une grande ville, c'est pas une petite ville, c'est une ville... Genre, on a des villes comme ça, genre Makala. Mosaïa, c'est une ville pas grande, pas petite. Limoges, c'est une ville où il n'y a rien. Limoges qui est beau. Il est de Makala, ça se voit vraiment. Ça l'a touché au plus profond de lui. Alors, je disais, Limoges, il n'y a rien. Ils ont une gare, elle est belle, c'est la plus belle gare de France. C'est vrai. On a le maire de Limoges, madame le maire ici, les Achenoum. Donc je disais, Limoges, ils ont une très belle gare, on dirait quand ils ont construit la ville, ils y sont dit, on construit une belle gare, le reste on verra après. Après ils n'ont pas construit, le reste ils l'ont laissé comme ça. Limoges, il n'y a rien, il n'y a que des vieux à Limoges, il n'y a que des vieux. C'est une ville de vieux et des pharmacies partout. D'ailleurs, il y a plus de pharmacies que d'habitants à Limoges. Et puis à Limoges, il n'y a pas de travail. Moi, j'ai postulé. J'ai voulu travailler à Limoges. Personne ne m'a répondu. Le seul qui m'a répondu, c'est pas une vanne. Et c'est vrai, c'était porteur funèbre. Vous connaissez le porteur funèbre? Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, c'est toi qui le portes. Bien sûr, ça chez nous, c'est gratuit. Au contraire, on a d'emporter les morts. Là, c'est moi qui l'emporte. Quand même, c'est ma tante, c'est moi qui l'emporte. Il y a des gens chez nous, ils adorent porter les morts. Il y a des gens qui aiment la musique, le théâtre, eux, ils aiment, c'est leur hobby. J'adore porter les morts, puisque tu as des hassanettes, des bonus. Imaginez que je parte pour postuler. Le mec, quand il a vu mon CV, sur mon CV, il n'y avait pas ma taille. Donc j'arrive là-bas, les trois autres porteurs doivent être de ta taille normale. Et moi, en bas, le monde, il va partir comme ça. Toute ta vie, elle est pour rien, plus tu meurs à l'immense de côté.